Bonjour, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit si vous regardez la vidéo pendant que vous êtes en train de dormir. Je suis Don Bunzel et aujourd'hui on va vous apprendre comment faire une pizza ananas. Je suis accompagné d'une professionnelle qui va me coacher. Et attention, on va faire une pizza ananas et parce que c'est trop bon les pizzas ananas. Et on va vous faire goûter à tous une pizza ananas. Mais avant, eh ben, il faut faire la première étape avant la pizza ananas. Il faut se faire beau. Et ouais, parce que c'est une vidéo YouTube, ça peut être vu par un million de personnes et même peut-être des femmes, même peut-être Tania. Donc il faut savoir se faire beau. Donc on commence par se faire beau avant de commencer la pizza ananas. Préchauffer le four pour faire une pizza ananas, c'est déjà fait. Étape numéro 2, découper ananas et mozzarella en tranches. Eh ben, je vais découper l'ananas et la mozzarella en tranches. Je vais essayer d'accélérer si je sais faire ça au montage, évidemment. Mais on y va, on va commencer notre bébé pizza ananas. Prenez de la graine, mangez des pizzas ananas. Donc, déjà, il faut un plan de travail un peu plus grand parce qu'il faut se baisser, ça fait mal au dos. Donc, essayez d'avoir un plan de travail plus grand pour faire une pizza ananas. Si je perce, faites-moi percer sur YouTube parce que si je perce, eh ben, tout le monde va se mettre à faire des pizzas ananas pour faire des millions d'abonnés. Et surtout, vous mangez un bout parce que c'est bon l'ananas. Donc ensuite, la mozzarella, pareil, on va la couper. Alors, j'ai coupé un peu plus d'ananas, mais non, on veut faire un bébé pizza. Donc, avant de couper tout l'ananas, on va couper qu'un plus que j'ai monté. Alors, la mozzarella, ça se coupe plus facile, ça. C'est bon, les tranches comme ça. Étape numéro 4, dérouler la pâte à pizza sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Alors, on met déjà la mozzarella dans un bol parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Et ensuite, ouais, on a mis une chaise parce que je travaille et ça me fait mal le dos, c'est abusé. C'est de la merde. Donc ça, hop, c'est fait. Et la pâte à pizza, par contre, je sais comment. Hop, ça c'est fait. Bon, elle est petite, hein. C'est vraiment un bébé pizza, par contre. On va laisser ça comme ça, la pâte à pizza. Étape numéro 5, étaler la sauce tomate. Allez, vous avez la pizza. Hop. Bon, ouais, c'était merde, hein. Bon, c'est pas le meilleur la sauce tomate, c'est la pizza, c'est l'ananas qui est le meilleur. Parce que je vais pas trop en mettre beaucoup, moi. On étale quand même, vous voyez bien, j'espère. Intérêt. Voilà, sauce tomate, c'est fait. Étape numéro 5, mettre la mozzarella, le gruyère et l'ananas sur la pizza. Alors, bon, mozzarella, vas-y, on s'en fout, hop. C'est vrai que j'aurais dû peut-être couper plus petit. Moi, je vous conseille de couper peut-être plus petit, quoi, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué de mettre tout. Mais je savais pas que la pizza était aussi petite. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose à notre façon quand même. Moi, ça sera différent. Hop, hop. On va mettre les morceaux d'ananas aussi. On va plus faire un dessin, mais bon. Les morceaux d'ananas, par contre, c'est un peu plus petit. Il faut en mettre pas mal. Parce que quand même, c'est une pizza à ananas qu'on veut. C'est pas une pizza à la mozza. Hop. Bon, j'ai fait vite fait. C'est vrai que j'ai coupé trop gros. J'ai laissé un petit peu trop gros. C'est pas grave. Ça sera bon quand même. Au moins, on voyait bien qu'elle n'est pas achetée dans un magasin. Une pizza à ananas. Ça, c'est trop bon, l'ananas. C'est obligé que c'est très bon avec une pizza. En vrai, j'en ai pas mangé depuis tellement d'années que c'est cool. Et le gruyère alors, le gruyère. Ouais, c'est pas trop du gruyère, il y a un matin, mais c'est pas grave. Pas trop, parce qu'après, c'est pareil, ça va gâcher le goût. Quoique je dis pas trop, mais en vrai. Voilà! Étape numéro 5, ajouter le jambon, le sel et le poivre. Ah ouais, jambon, j'avais oublié. Ok, bah le jambon, let's go. Bon, pas besoin du coup de couper normal, on s'en fout, on met des morceaux de jambon comme ça. C'est une pizza ananas de Wish du Bled. Attends, jambon, j'adore ça. C'est vrai qu'il est important la pizza ananas. Si vous mettez pas de jambon, c'est de la merde. Et la fin, on le mange aussi. Ça fait trop bon. Et du sel. C'est les poivres. Moi, ça, c'est après au bout, je pense. Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui mange très très peu de sel. Donc, on va en mettre parce qu'il faut un petit peu, mais pas beaucoup.
Putain, j'ai ma qui glisse. Hein. Ouais, bof. Bon, plus de poids que de sel. Allez, un peu nul hein, ce truc. Étape numéro 8, enfourner 20 minutes. Bon bah ça j'ai pas besoin. Mais regardez ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si vous voyez bien comme ça et ça. Ça va? Ouais, bien mal hein. Non franchement ça va. Ça va, elle est presque. Qu'est-ce que t'as eu? Est-ce que vous êtes seul? Ouais. C'est un peu comme ça. Non, il passera pas comme ça. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Et ben voilà. On a notre magnifique pizza à l'ananas. Jambon. Ananas, gruyère, mozzarella, une incroyable pizza ananas qu'on va pouvoir déguster. Maintenant que vous avez tous les secrets pour créer, fabriquer une pizza à l'ananas, ben, il va falloir faire de même. Il va falloir goûter ça pour tous les rageux qui disent que la pizza ananas est dégueulasse. Allez, moi je vais faire ma dégustation en imaginant et en faisant, si elle n'est pas bonne, en faisant semblant qu'elle est excellente. Pour conclure tout ça, le mieux, c'est de manger notre pizza ananas dans une assiette dorée avec un jus d'ananas. Bon, j'en ai pas, hein, je vais pas faire non plus de trucs, donc je prends un oasis, c'est pareil. Et de manger votre pizza ananas avec un copain ou une copine. D'ailleurs, je vais déguster ma pizza ananas et puis après, je vous laisserai manger la vôtre. Tiens, tu peux commencer à goûter en premier. Vas-y, goûte ma pizza ananas. Je te la laisse, tiens. Ouais. Allez, on coupe la pizza ananas. Et on mange. On mange avec les mains, une pizza, ça se mange avec les mains. Faites pas chier. Et on goûte notre ananas à la pizza. Ça se voit que c'est ma pizza. Vas-y, finis.